Cacahuètes, Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et you, cette vidéo on l'aime. Ah oui, on l'aime parce qu'on va découvrir et vous allez découvrir en même temps que nous le contenu de la boîte d'avril. C'est le unboxing comme disent les Anglais. Oh là là, je peux vous dire que cette boîte, you, j'allais vous prendre l'accent du sud, mais je vais quand même vous garder mon accent normal. Elle sent bon la terre battue. Oui, j'ai eu peur. Elle sentait aussi un petit peu le Prince Albert, vous m'aviez dit. Et oui, pourquoi le Prince Albert? Parce que, là, les amis, c'est une boîte 100% Monte Carlo. Alors regardez ça, on va tout de suite découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Avant peut-être, Benny, de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, juste de parler de ces chanceux, la famille qui est partie ici, dans les loges, se régaler aux frais de la princesse, dans les loges du Royal Country Club, pour assister au tournoi de Monte Carlo, c'est monstrueux. Bah, ils se sont régalés tout ça, bien sûr, grâce à My Tennis Box, on vous rappelle, des jeux concours, il y en a tout le temps, donc soyez bien sûr abonnés aux différents réseaux sociaux My Tennis Box. Mais complètement, vous êtes complètement dans le vrai. Alors, cette boîte. Ouais, elle fait mal aux yeux, déjà. Elle est belle, elle est garnie, elle est remplie à ras-bord. Alors, tout de suite, on va rentrer bien sûr sur l'objet le plus volumineux. Il y en a deux, you, c'est cette boîte de balles, c'est deux boîtes de balles. Oui, c'est moi à la prendre en main. Ouais, ouais. Donc, des Dunlop ATP, la balle officielle des professionnels. C'est une évolution, élitiste de la Dunlop Forte, la balle mythique. La descendante, hein, la descendante tout simplement, la fille de la Dunlop Forte. Ouais, ouais, ou peut-être plutôt sa version améliorée de la Dunlop Forte, la version élitiste. Car les pros, les amis, bien sûr, c'est la balle officielle du circuit ATP aujourd'hui. Donc lorsque vous regardez tous les tournois, eh bien, si vous avez envie de jouer avec la balle des pros, la voici, elle est pour vous, vous pouvez la tester. Complètement, ouais. J'allais le dire. J'étais complètement en train de le dire. Dunlop ATP, ils ont augmenté la puissance et les performances du noyau et ils ont taffé la feutrine. D'accord, et eh bien ça promet en tout cas énormément. Toute surface. En plus, surface, grande durabilité, bah oui, parce que l'ATP joue sur toutes les surfaces. Bien sûr. C'est un peu dommage de faire que des balles pour le gazon. Les amis, donc surtout, n'hésitez pas à vos retours sur ce produit, que vous pouvez aussi retrouver, bien sûr, sur l'eShop. On continue, les amis, avec toujours Dunlop, bien sûr, qui vous gâte ce mois-ci, you, ce cordage. Tu l'as senti, tu l'as testé, tu l'as touché. Qu'en penses-tu? Ouais, je l'ai testé, j'ai eu la chance de le tester, c'est un cordage donc Black Widow. Dunlop nous a régalé. Hein, alors, veuve noire, traduit rapidement, veuve noire, hein, l'araignée, on peut voir d'ailleurs que c'est le petit symbole qui est présent sur... Donc la veuve noire est une araignée quand même très mortelle, je pense que ce cordage justement on a les caractéristiques. Exactement, un cordage heptagonal qui vous permet donc de pouvoir lifter encore mieux, de donner plus d'effet à la balle. Alors heptagonal, pour ceux qui n'auraient pas été très loin en mathématiques, les amis, c'est 7 côtés, je tiens à le rappeler. Donc 7 côtés, avec devant. Et d'ailleurs, il sera en train de bosser, attention info, mais gardez secret les amis, il sera en train de bosser sur un cordage décagonal. Waouh, pour contrer tous ceux qui ont des octogonales, ah c'est heptagonal. Ouais déjà, c'est bien. Beaucoup de lift, fond de cours pour les limeurs. Alors je sais pas si en ce moment vous considérez comme un limeur. Bon non, en ce moment là je me considère comme rien, là je suis perdu, j'ai plus d'identité. Mais par contre, you justement pour les limeurs avec en plus la précision, cordage très fin, une jauge à 1,21, autant vous dire justement, c'est magnifique, c'est tout dans la finesse, tout dans le toucher, tout justement dans cet effet qui est multiplié sur multiplié. Le petit tip du mois d'avril, plus un cordage est fin et plus vous avez de sensations. Ouais. Voilà. Alors si vous voulez un cordage plus épais pour un peu plus de contrôle, ça marche aussi pour d'autres produits. Bref, mais ça malheureusement vous n'en trouverez pas, quoique peut-être un jour dans My Tennis Box, on en reparlera plus tard. Yo, on continue bien sûr toujours. Produit. Déjà, vous avez vu, cette boîte est belle. Et on continue parce que là, produit encore en double. Regardez ça, je vous donne ce produit. Vous allez nous expliquer à quoi ça sert. Écoutez, je le prends. Vu comme ça, petit élastique, on va le déballer. Alors, je le déballe aussi en même temps que vous. Regardez ça, close up, close up. Ce n'est pas de la magie. C'est le produit. Deux produits, les mêmes. Ouais, deux serviettes monstrueuses. Une rouge, une bleue. Deux serviettes qui vont nous permettre tout simplement d'absorber la transpiration. Alors vous le savez, je fais partie de cette catégorie de population qui a une sudation abondante. Ouais, surtout quand vous jouez au tennis. Exactement. Donc c'est triple bracelet généralement sur l'avant-bras parce qu'un bracelet ne suffit pas à éponger votre sueur. Alors la technique c'est que le bracelet le plus proche de la main éponge les deux autres. Ouais, mais là maintenant vous avez justement cette petite serviette microfibrée. Alors voilà, justement, je vous vais le montrer. Ce petit élastique, à quoi sert-il, me direz-vous? Déjà, bon, vous l'avez vu, à la plier de manière qu'elle ne prenne pas trop de place dans votre sac. Et en plus, bien sûr, à pouvoir l'accrocher, évidemment,
pendant les points, et vous pouvez à chaque fin de point aller venir vous essuyer comme les professionnels. Bon, vous n'avez pas de ramasseur de balles qui va vous la ramener, il va falloir comme y aller, mais voilà, en tout cas c'est bien pratique. Et ça vous permet de faire ce petit geste que vous voyez faire les pros là, sur les gros tournois à 250 et plus, et pouvoir vous la raconter, notamment au tournoi interne. C'est SpongeMe qui fabrique. Magnifique. Belle serviette en microfibre. Ouais. Et alors, on a oublié de le dire. Attention. Au cas où, parce que c'est vrai, là vous l'avez piégé, je vais prendre l'autre. Si jamais vous êtes un joueur extrêmement compétent et ambitieux, agile, et que vous avez alors une sudation énorme, je conseille vraiment pour ceux qui sudent énormément, je ne sais pas si ce verbe se dit comme ça, vous pouvez tout simplement l'accrocher à votre poignet. Là, ça n'a pas été conseillé par la marque, mais nous on s'est permis de vous présenter, et un petit tips, vous l'accrochez au poignet et jouez pourquoi pas pendant le point. Avoir là le truc qui est pendant le point, pourquoi rapidement, au moment c'est vraiment le point dur, gros rallye de 45 frappes, vous êtes bien content de l'avoir à votre poignet. Là aussi, n'hésitez pas à vos commentaires si vous l'avez utilisé de cette manière-là. C'est important. You, partie aussi qui vous plaît énormément, la nutrition pendant l'effort. Ouais, avant, après aussi d'ailleurs. Avant, après, pendant. Alors on va commencer par ces gels de la marque Authentique Nutrition, marque française. Gel qui vous permet d'avoir un petit pic glycémique, donc soit avant, avant l'effort, avant le match, soit pendant le match, à chaque changement de côté. Notamment, et vous avez la possibilité d'en prendre un petit peu. Le côté gel est assez intéressant parce que vous n'avez pas à mâcher et vous n'avez pas forcément à gérer un gros objet. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça reste fin et petit en bouche. C'est toujours agréable. C'est sympathique. Aucune banane. C'est sûr qu'une banane, bon, à digérer en plus de temps en temps, ça met plus de temps. C'est digestion très rapide. Oui. C'est important de le préciser, vous avez raison. Pour les efforts très longs, on sait que en cette période estivale, de chaleur, les matchs sont de plus en plus longs. Voilà, à surtout, conseiller. Surtout si les mecs ont pris les balles ATP Dunlop et le cordage Black Widow. Black Widow. La nutrition n'est pas finie. Yo, attention, là, ça fait même les biceps. Cette splendide barre, encore une fois, justement, Authentique Nutrition. On va la mettre à l'endroit. Ouais, c'est mieux. Parce que sinon, c'est du dessus, C'est sûr que c'est mieux comme ça. Du geste, alors cette barre, elle est monstrueuse, elle est épaisse. Non, mais c'est vrai. Et elle est excellente, vraiment, pour le coup. Qu'y a-t-il dedans? Cacahuètes, noix de cajou, du miel. Important. Un peu d'huile, alors, du sel, et voilà, et très peu d'allergènes. Tellement, attention, tellement cette barre est nutritive, que quand vous l'avez testée la semaine dernière, pour la tester justement, parce que vous êtes testeur officiel des produits de MyTennisBox, en tournoi aussi. Vous m'avez dit, vous l'avez mangé entière, en entier. Oui. Vous ne l'avez pas mangé pendant 2 jours derrière. Non, j'ai pas pu me présenter au 3e set. Non, mais excellente. Vraiment très très bonne barre, on vous la conseille. C'est du pur bonheur. Vous pouvez la commencer la veille. Il y a des noix de cajou, je sais qu'il y a des fans de noix de cajou partout. Exactement. Les amis, la cajou est hype en ce moment, la cajou est à la mode. Allez-y, testez cette barre. Yo, on termine. Par ce fascicule, bien évidemment, ouais, fascicule. Le petit mensuel, donc chaque mois, le gros mensuel, ça dépend, en tout cas c'est fait avec talent, et c'est ça le plus important. Donc qui vous rappelle forcément les produits. Les produits, avec un petit édito au départ, hein, avec des messages notamment de Carla qui est 4-6, niveau moins 15 en compte en banque, le truc est plutôt pas mal. Et vous les attendez tous, les conseils de Marine Parto, 400e à l'ATP, plus ou moins. WTA. À WTA, c'est vrai que je la fais souvent cette boulette. 400e à WTA. Mais elle aurait le niveau a priori 400e ATP. Pas loin. Si elle joue en ATP. Les coups d'attaque et la première volée, important. Généralement, il faut éviter d'en faire une deuxième, sinon ça, le point va être chaud. Ouais. Donc, 5 conseils de Marine, plus 3 exercices que vous pouvez faire avec un ami. Et si vous n'avez pas d'amis, avec le mur, peut-être, c'est pas facile. Non, mais par contre, vous allez à l'accueil de votre club et vous dites que vous cherchez un ami pour faire des exercices. On termine, les amis, bien sûr, par le conseil mental du mois. Ouais, JP Vaillant. Jean-Philippe Vaillant, mental gagnant. Il sévit tous les mois, enfin très régulièrement aussi sur ce site Mental Gagnant. Et pour vous, les tennis boxeurs, le tennis, un jeu mental. Jean-Philippe vous explique, en gros, c'est une sorte de... Ne dis pas tout, hein, ne spoil pas. Je ne dirai rien. Ne dis rien, garde secret, mais ça vous fait bosser, ça va vous faire gagner vos tie-break. Merci beaucoup pour ce petit fascicule très sympathique.
Les amis, eh bien, on est ravis de vous avoir présenté cette box d'avril. Soyez au rendez-vous, bien sûr, pour la box de mai. Hein, n'oubliez pas, très rapidement, vous pouvez d'ailleurs la commander. Enfin, vous pouvez d'ailleurs commander les box sur mytennisbox.fr. Celles que vous avez loupées, vous pouvez en commander encore certaines sur l'eShop. You, à très vite. Ouais. Bonne chance pour tous vos tournois, Estivo. Bonne chance pour tous ceux qui participent aux rencontres par équipe. Ouais, bien sûr. Division départementale au national. Tout le monde est concerné et on vous souhaite bonne chance. À très vite sur mytennisbox, les amis. Ciao, bye. Salut.